Sport Football, le journal d'Aran écrit, je cite, inquiet. Les Camerounais avec le mauvais cœur. On gagne nos ancêtres, les Gaulois. Les Camerounais sont contents. Ils boivent, ils dansent. Et anti, quand le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dis donc, pardon, déposez-nous par terre. Les Gaulois sont les ancêtres de qui? Vous nous avez bien regardé? Déclare le journal Le Macabo des Mbenguistes. Euro 2020, le Camerounais Mbappé vient d'éliminer la France. Il a raté le pénalty. Fin de citation, écrit le journal Football de Mbeng. Donc, quand Mbappé joue mal, il est franco-camerounais. Quand il joue bien, il est français. Et Réplique le journal Wanda Chaneva End. Se démarquant de ses feux de critique contre l'équipe de France, le journal Le Fair Play écrit, et je cite, en matière de football, tout peut arriver. L'équipe de France a perdu contre la Suisse, mais quelle est l'équipe qui peut se targuer de n'avoir jamais perdu un match? Une défaite n'est pas un phénomène nouveau sous le soleil. À la suite du match qui a opposé la France à la Suisse, qu'est-ce que les journaux n'ont pas dit de Mbappé? Dans le journal Morceau Choisi, on peut lire, et je cite, « Le Camerounais Mbappé élimine les Bleus. Mbappé égale Mbopi. Mbappé, avant le match, on t'a dit de venir d'abord faire un tour au Cameroun, tu as refusé et tu as dit que tu maîtrisais. Voilà alors. Mbappé, dans les journaux français, te voilà subitement devenu un franco-camerounais après ce pénalty manqué. En dehors des tirs groupés contre Mbappé, la presse n'a pas tari de compliments pour l'équipe nationale helvétique. Dans le même journal Morceau Choisi, on peut lire, et je cite, Euro 2020, cette équipe a de la Suisse dans les idées. Euro 2020, un couteau suisse dans du beurre français. Ou encore, Euro 2020, le fermier suisse interdit au coq d'entrer dans sa poule. Yeah, les Camerounais, quand il faut dénigrer les autres, vous êtes forts. Votre propre CAN, est-ce que vous allez la gagner? Avec votre équipe là, vous êtes même sûr de ne pas être éliminé au premier tour? Écrit le journal Big Mop Info. Hé, notre CAN est encore un peu loin. Hein? Nous allons bien la sucer et vous serez surpris. Déclare le journal Impossible n'est pas Camerounais Magazine. Pour le journal Kongosa Plus, lorsque les Camerounais vilipendent l'équipe de France, leur bouche est sucrée. Alors que les vrais problèmes des Lions Indomptables, personne n'ose parler de Sao, alors que tout le monde connaît Sao. Le journal signale que le vrai problème des Lions Indomptables, c'est leur inaptitude à conjuguer certains verbes usuels sur un terrain de football. En football, les Lions Indomptables savent par exemple conjuguer les verbes danser Sao, posséder les ballons Sao, réclamer les primes Sao, manquer d'efficacité Sao, rater les buts Sao, faire de grandes déclarations en conférence de presse Sao. Mais le coach, pour plus d'efficacité, gagnerait à inscrire les verbes suivants au tableau de conjugaison à apprendre. Prendre par chaque joueur avant toute compétition, à savoir cadrer bien les tirs Sao, marquer les buts tout le temps Sao et gagner tous nos adversaires Sao. Quant à l'entraîneur avant la CAN, il doit veiller à faire un bon casting Sao pour ne pas nous dire en cas de défaite qu'il ne savait pas Sao.